Le temps d'un week-end, ils ont investi le centre-ville. Qu'ils soient photographes, peintres ou plasticiens, ces artistes exposent là où on ne les attend pas, comme ici, dans la cour d'un immeuble. J'ai trouvé que la cour était atypique quand même, parce qu'il y a beaucoup de boiseries, il y a des balcons en bois. Et après, moi j'aime bien le côté, justement, avec mes, comme j'ai des couleurs qui sont très flashy, d'être sur des vieux murs comme ça, couleur grise. Mais ça m'intéresse, ouais. Ces murs un peu gris, un peu ce côté un peu sale, il y a beaucoup de matière, quoi. Des œuvres qui s'offrent aux passants, souvent agréablement surpris. Ah, le concept, je trouve ça très intéressant, de pouvoir se promener dans la ville et de voir des choses. C'est rare à Pau. Depuis 4 ans, l'association paloise AERA est à l'origine de ces expositions promenades. L'idée, c'est de créer une rencontre, un échange entre les passants, les artistes, faire sortir un petit peu l'art dans les rues et de le montrer comme ça, gratuitement, à tout le monde et interpeller les passants. Une promenade artistique au cœur de la ville qui n'aura pas laissé indifférent.